Ce samedi 22 mai, dans la salle Monicosso, au sein de l'Université de Kinshasa, la conférence de présentation de Dubaz C, un produit qui s'avère être un remède contre le Covid-19. Le Congo dispose d'une solution médicamenteuse contre le traitement de la Covid. Cette solution va être soumise à la dernière épreuve. Aujourd'hui, nous avons assisté à la présentation de ce produit Dubaz, qui pourra subir le dernier test comme le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure. Et nous pourrons, nous, Congolais, être fiers d'apporter une contribution mondiale dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Si l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, j'ai été demandé de réunir tous les chercheurs et que parmi les chercheurs qu'on me produise déjà un tel produit, un protocole qui est pour moi à la phase finale. C'est une joie pour la recherche congolaise. Initialement conçu contre le VIH, l'inventeur du produit Dubaz C, pharmacien avec 34 ans de carrière, Constantin Bachengezi, explique le processus par lequel le produit s'est avéré être efficace contre le Covid-19. Ce qui se passe aujourd'hui était une cérémonie de démarrage de l'essai clinique randomisé multicentrique concernant l'un de nos produits de Dubaz C dans la prise en charge des patients Covid-19 au Congo, à Kinshasa particulièrement. À la fin de cette cérémonie, le doyen de la faculté de médecine a remis le protocole d'essai clinique en charge des patients Covid-19, cas simple. Il s'est tenu ce samedi 22 mai dans la salle Monicosso au sein de l'Université de Kinshasa, la conférence de présentation de Dubaz C, un produit qui s'avère être un remède contre le Covid-19. Le Congo dispose d'une solution médicamenteuse contre le traitement de la Covid. Cette solution va être soumise à la dernière épreuve. Aujourd'hui, nous avons assisté à la présentation de ce produit Dubaz qui pourra subir le dernier test comme le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure. Et nous pourrons, nous, Congolais, être fiers d'apporter une contribution mondiale dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Si l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, j'ai été demandé de réunir tous les chercheurs et que parmi les chercheurs qu'on me produise déjà un tel produit, un protocole qui est pour moi à la phase finale. C'est une joie pour la recherche congolaise. Initialement conçu contre le VIH, l'inventeur du produit Dubaz C, pharmacien avec 34 ans de carrière, Constantin Bachengezi, explique le processus par lequel le produit s'est avéré être efficace contre le Covid-19. Ce qui se passe aujourd'hui était une cérémonie de démarrage de l'essai clinique randomisé multicentrique concernant l'un de nos produits de Dubaz C dans la prise en charge des patients Covid-19 au Congo, à Kinshasa particulièrement. À la fin de cette cérémonie, le doyen de la faculté de médecine a remis le protocole d'essai clinique en charge des patients Covid-19, cas simple. Il s'est tenu ce samedi 22 mai dans la salle Monicosso au sein de l'Université de Kinshasa, la conférence de présentation de Dubaz C, un produit qui s'avère être un remède contre le Covid-19. Le Congo dispose d'une solution médicamenteuse contre le traitement de la Covid. Cette solution va être soumise à la dernière épreuve. Aujourd'hui, nous avons assisté à la présentation de ce produit Dubaz qui pourra subir le dernier test comme le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure. Et nous pourrons, nous, Congolais, être fiers d'apporter une contribution mondiale dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Si l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, j'ai été demandé de réunir tous les chercheurs
que parmi les chercheurs qu'on me produise déjà un tel produit, un protocole qui est pour moi à la phase finale, c'est une joie pour la recherche congolaise. Initialement conçu contre le VIH, l'inventeur du produit Dubase C, pharmacien avec 34 ans de carrière, Constantin Bachengezi, explique le processus par lequel le produit s'est avéré être efficace contre le Covid-19. Ce qui se passe aujourd'hui était une cérémonie de démarrage de l'essai clinique randomisé multicentrique concernant l'un de nos produits de Dubase C dans la prise en charge des patients Covid-19 au Congo, à Kinshasa particulièrement. À la fin de cette cérémonie, le doyen de la faculté de médecine a remis le protocole d'essai clinique en charge des patients Covid-19, cas simple et modifié. Il s'est tenu ce samedi 22 mai dans la salle Monikoso au sein de l'Université de Kinshasa, la conférence de présentation de Dubase C, un produit qui s'avère être un remède contre le Covid-19. Le Congo dispose d'une solution médicamenteuse contre le traitement de la Covid. Cette solution va être soumise à la dernière épreuve. Aujourd'hui, nous avons assisté à la présentation de ce produit Dubase qui pourra subir le dernier test comme le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure. Et nous pourrons, nous, Congolais, être fiers d'apporter une contribution mondiale dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Si l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République chef de l'État, j'ai été demandé de réunir tous les chercheurs. Et que parmi les chercheurs qu'on me produise déjà un tel produit, un protocole qui est pour moi à la phase finale, c'est une joie pour la recherche congolaise. Initialement conçu contre le VIH, l'inventeur du produit Dubase C, pharmacien avec 34 ans de carrière, Constantin Bachengezi, explique le processus par lequel le produit s'est avéré être efficace contre le Covid-19. Ce qui se passe aujourd'hui était une cérémonie de démarrage de l'essai clinique randomisé multicentrique concernant l'un de nos produits de Dubase C dans la prise en charge des patients Covid-19 au Congo, à Kinshasa particulièrement. À la fin de cette cérémonie, le doyen de la faculté de médecine a remis le protocole d'essai clinique en charge des patients Covid-19. Il s'est tenu ce samedi 22 mai dans la salle Monikoso au sein de l'Université de Kinshasa, la conférence de présentation de Dubase C, un produit qui s'avère être un remède contre le Covid-19. Le Congo dispose d'une solution médicamenteuse contre le traitement de la Covid. Cette solution va être soumise à la dernière épreuve. Aujourd'hui, nous avons assisté à la présentation de ce produit Dubase qui pourra subir le dernier test comme le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure. Et nous pourrons, nous, Congolais, être fiers d'apporter une contribution mondiale dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Si l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, j'ai été demandé de réunir tous les chercheurs. Et que parmi les chercheurs qu'on me produise déjà un tel produit, un protocole qui est pour moi à la phase finale, c'est une joie pour la recherche congolaise. Initialement conçu contre le VIH, l'inventeur du produit Dubase C, pharmacien avec 34 ans de carrière, Constantin Bachengezi, explique le processus par lequel le produit s'est avéré être efficace contre le Covid-19. Ce qui se passe aujourd'hui était une cérémonie de démarrage de l'essai clinique randomisé multicentrique concernant l'un de nos produits de Dubase C dans la prise en charge des patients Covid-19 au Congo, à Kinshasa particulièrement. À la fin de cette cérémonie, le doyen de la faculté de médecine a remis le protocole d'essai clinique en charge des patients Covid-19. Il s'est tenu ce samedi 22 mai dans la salle Monikoso au sein de l'Université de Kinshasa, la conférence de présentation de Dubase C, un produit qui s'avère être un remède contre le Covid-19. Le Congo dispose d'une solution médicamenteuse contre le traitement de la Covid.
Cette solution va être soumise à la dernière épreuve. Aujourd'hui, nous avons assisté à la présentation de ce produit Dubaz qui pourra subir le dernier test, comme le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure. Et nous pourrons, nous, Congolais, être fiers d'apporter une contribution mondiale dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Si l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, j'ai été demandé de réunir tous les chercheurs et que parmi les chercheurs qu'on me produise déjà un tel produit, un protocole qui est pour moi à la phase finale, c'est une joie pour la recherche congolaise. Initialement conçu contre le VIH, l'inventeur du produit Dubaz C, pharmacien avec 34 ans de carrière, Constantin Bachengezi, explique le processus par lequel le produit s'est avéré être efficace contre le Covid-19. Ce qui se passe aujourd'hui était une cérémonie de démarrage de l'essai clinique randomisé multicentrique concernant l'un de nos produits de Dubaz C dans la prise en charge des patients Covid-19 au Congo, à Kinshasa particulièrement. Il s'est tenu ce samedi 22 mai dans la salle Monikoso au sein de l'Université de Kinshasa la conférence de présentation de Dubaz C, un produit qui s'avère être un remède contre le Covid-19. Le Congo dispose d'une solution médicamenteuse contre le traitement de la Covid. Cette solution va être soumise à la dernière épreuve. Aujourd'hui, nous avons assisté à la présentation de ce produit Dubaz qui pourra subir le dernier test, comme le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure, et nous pourrons, nous, Congolais, être fiers d'apporter une contribution mondiale dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Si l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, j'ai été demandé de réunir tous les chercheurs et que parmi les chercheurs qu'on me produise déjà un tel produit, un protocole qui est pour moi à la phase finale, c'est une joie pour la recherche congolaise. Initialement conçu contre le VIH, l'inventeur du produit Dubaz C, pharmacien avec 34 ans de carrière, Constantin Bachengezi, explique le processus par lequel le produit s'est avéré être efficace contre le Covid-19. Ce qui se passe aujourd'hui était une cérémonie de démarrage de l'essai clinique randomisé multicentrique concernant l'un de nos produits de Dubaz C dans la prise en charge des patients Covid-19 au Congo, à Kinshasa particulièrement. À la fin de cette cérémonie, le doyen de la faculté de médecine a remis le protocole d'essai clinique en charge des patients Covid-19.